salut par les juifs, Léon Blois. 1892, Mercure de France. Ex quibus Christus secundum carnem. Araïs Samaritain, je dédie ces pages écrites à la gloire catholique du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. De profondis. Du fond de l'abîme, Jésus clame vers son Père et cette clameur éveille dans les entrailles les plus intimes des gouffres, infiniment au-dessous de ce qui peut être conçu par les anges, indiciblement plus bas que tous les pressentiments et tous les mystères de la mort, le très étouffé, le très lointain, le très pâle gémissement de la colombe du paraclet, qui répercute en écho le terrible des profondis. Et tous les bêlements de l'agneau vibrent ainsi dans la fosse épouvantable sans qu'il soit possible de supposer une seule plainte exhalée par le Fils de l'homme, qui ne retentisse pas identiquement dans les impossibles exils où s'accroupit le consolateur. 1. Salus ex judaeis est. Le salut vient des juifs. J'ai perdu quelques heures précieuses de ma vie à lire, comme tant d'autres infortunés, les élucubrations anti-juives de M. Drummond, et je ne me souviens pas qu'il ait cité cette parole simple et formidable de notre Seigneur Jésus-Christ, rapportée par Saint Jean au chapitre quatrième de son Évangile. Si ce journaliste copieux daigne à jamais s'enquérir des textes sacrés, et s'il est en mesure de démontrer, pour ma confusion, que ce précepte considérable est mentionné dans tel ou tel des volumineux pamphlets dont il assomme régulièrement les peuples chrétiens, il faut dire alors que cet hommage au livre saint est si merveilleusement affaune, pénombral, rapide et discret, qu'il est presque impossible de l'apercevoir et tout à fait impossible d'en être frappé. C'est quelque chose pourtant, ce témoignage du Fils de Dieu. Je sais bien que Saint Augustin en a terriblement affaibli la portée dans sa pauvre exégèse des deux murailles, qu'il est loisible de consulter au 15e traité du commentaire fameux de ce vénérable docteur. Mais on était alors au 5e siècle. La réprobation d'Israël avait commencé depuis l'exorbitante catastrophe de Jérusalem. L'espèce humaine, à moitié conquise déjà par les successeurs de Pierre, avait irrémédiablement froncé son cœur et s'était endurcie pour toute la durée des temps contre la descendance exécrée des bourreaux du Christ. L'effrayante brûlure des premières persécutions se cicatrisait enfin, et les grandes semailles du sang des martyrs étaient accomplies. La pédagogie du surnaturel tombait aux théologiens, aux explicateurs, aux philosophes désabusés, et la gênante assertion de celui qui fut appelé le Fils du Tonnerre pouvait être écartée respectueusement sans aucun danger de scandale ou de simple étonnement pour une église toute rouge qui vagissait encore dans son berceau. Cette parole demeure cependant. Elle subsiste malgré tout en sa force mystérieuse et ressemble à quelques gemmes très sombres d'un troublant éclat rendu plus inestimable par l'inattention téméraire des économes ou des contrôleurs de la foi. 2. Le salut vient des juifs. Texte confondant qui nous met furieusement loin de M. Drummond. A Dieu ne plaise que je lui déclare la guerre à ce triomphant. La lutte vraiment serait par trop inégale. Le pamphlétaire de la France juive peut se vanter d'avoir trouvé le bon coin et le bon endroit. Considérant avec une profonde sagesse et le sang-froid d'un chef subtil que le caillou philosophal de lentre jean consiste à donner précisément au ventre humain la glandée dont il raffole, il inventa contre les juifs la volcanique et pertinace revendication des pièces de cent sous. C'était l'infaillible secret de tout dompter, de tout enfoncer et jucher son individu sur les crêtes les plus altissimes. Dire aux passants, fût-ce le plus minable récipendiaire au pourrissoir des désespérés, ces perfides hébreux qui t'éclaboussent volé tout ton argent. Reprends-le donc, ô Égyptiens, crève leur peau si tu as du cœur, et poursuis-les dans la mer Rouge. Ah, dire cela perpétuellement, dire cela partout, le beugler sans trêve dans des livres ou dans des journaux, se battre même quelquefois pour que cela retentisse plus noblement au delà des monts et des fleuves. Mais surtout, oh surtout, ne jamais parler d'autre chose. Voilà la recette et l'arcane, le médium et le retentum de la balistique du grand succès. Qui donc, ô oh mon Dieu, résisterait à cela Ajoutons que ce grand homme revendiquait au nom du catholicisme. Or, tout le monde connaît le désintéressement sublime des catholiques actuels, leur mépris incassable pour les spéculations ou les manigances financières et le détachement céleste qu'ils arborent. J'ai fait des livres moi-même en vue d'exprimer l'admiration presque douloureuse dont me saturent ces écoliers de la charité divine, et je sens bien qu'il m'eût été impossible de m'en empêcher. Il est donc aisé de concevoir l'impétuosité de leurs ailes quand les tripotantes mains de l'antisémite vinrent chatouiller en eux le pressentiment de la justice. On peut même dire qu'en cette occasion, les écailles tombèrent d'un grand nombre d'yeux et le généreux Drummond apparut, l'apôtre des tièdes, qui ne savait pas que la religion fût si profitable. 3. Quelques profanes, il est vrai, se sont demandé quelle victoire essentielle résidait pour la morale même pratique dans l'indéniable fait d'avoir entrepris de substituer au fameux veau d'or un cochon du même métal, et quel avantage précieux le catholicisme allait retirer de ces récriminations d'agio. Car enfin, M. Drummond entrait en héros dans Babylone, après avoir déconfié toutes les nations sémitiques, et les admirateurs de ce conquérant reniflaient sur lui la poussière du saint roi Midas, mêlée aux onguents et cinnamones dont s'adonise coutumièrement la carcasse des dieux mortels. Pour parler moins lyriquement, ça marchait ferme, les gros tirages se multipliaient et les droits d'auteur s'encaissaient avec une précision Rothschildienne, qui faisait baver de concupiscence toute une jalouse populace d'écrituriers du même acabit, qui n'avaient pas eu cette plantureuse idée et qui résolurent aussitôt de s'acharner aux mêmes exploits. Tous les livides mangeurs d'oignons chrétiens de la haute et basse Égypte comprirent admirablement que la guerre aux Juifs pouvait être, à la fin des fins, un excellent truc pour cicatriser main désastre ou ravigoter main négoce valétudinaire. On a vu jusqu'à des prêtres sans nombre, parmi lesquels devaient se trouver pourtant de candides serviteurs de Dieu, s'enflammer à l'espoir d'une bousculade prochaine où le sang d'Israël serait assez répandu pour saouler des millions de chiens. Cependant, que les intègres moutons du bon pasteur brouteraient, en bénissant Dieu, les quintes feuilles et les trèfles d'or dans les pâturages enviés de la terre de Promission. L'entraînement avait été si soudain et si prodigieuse l'impulsion que, même aujourd'hui, nul d'entre eux ne paraît être avisé de savoir décidément s'il n'y aurait pas quelque danger grave pour un cœur sacerdotal à pétitionner ainsi l'extermination d'un peuple que l'église apostolique romaine a protégé dix-neuf siècles, en faveur de qui sa liturgie la plus douloureuse parle à Dieu le vendredi saint. D'où sont sortis les patriarches, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, les amis fidèles et tous les premiers martyrs, sans oser parler de la Vierge Marie et de notre Sauveur lui-même qui fut le lion de Judas le juif par excellence de nature, un juif indicible, et qui sans doute avait employé toute une éternité préalable à convoiter cette extraction. Mais quoi Ne fallait-il pas suivre jusqu'au bout le cupide saltimbanque, organisateur et prédicateur de cette croisade pour le boursicot, qui ne cesse de prêchailler à la petite semaine sur le petit nombre des élus du coffre fort tout puissant et quelqu'un pourrait-il citer une seule protestation catholique lorsque s'étala sur nos reculantes murailles, l'effroyable effigie de ce turlupin sacrilège, en armure de chevalier du Saint-Sépulcre et foulant aux pieds Moïse? Ah, cela dit tout. Quatre. En voilà donc tout à fait assez. Je le répète. Il n'entre pas dans ma pensée ni dans mon sujet d'insister particulièrement sur ce personnage dont le triomphe eût pu être plus grand encore sans le ridicule déconcertant de sa vanité de pion parvenu, et qui d'ailleurs vient d'être frappé durement par un rigoureux arrêt de cour d'assises. Mais comment ne pas le nommer au moment d'aborder cette incomparable question d'Israël qu'il se glorifie sottement d'avoir abaissé jusqu'au niveau cérébral des bourgeois les plus imbéciles Je dois être un peu soupçonnable d'amour tendre pour les descendants actuels de cette race fameuse. Voici pour commencer ce que j'écrivais il y a six ans, dans un livre de colère que l'hostilité générale s'efforça d'étouffer par tous les moyens imaginables. Le Moyen Âge, disais je en parlant des Juifs, avait le bon sens de les cantonner dans des chenilles réservées et de leur imposer une défroque spéciale qui permit à chacun de les éviter. Quand on avait absolument affaire à ces puants, on s'en cachait comme d'une infamie et on se purifiait ensuite comme on pouvait. La honte et le péril de leur contact étaient l'antidote chrétien de leur pestilence, puisque Dieu tenait à la perpétuité d'une telle vermine. Aujourd'hui que le christianisme a l'air de râler sous le talon de ses propres croyants et que l'église a perdu tout crédit, on s'indigne bêtement de voir en eux les maîtres du monde et les contradicteurs enragés de la tradition apostolique sont les premiers à s'en étonner. On prohibe le désinfectant et on se plaint d'avoir des punaises. Telle est l'idiotie caractéristique des temps modernes. Je ne vois pas le moyen de changer un quart de ligne à cette page gracieuse. Plus que jamais, il est clair pour moi que la société chrétienne est empuantie d'une bien dégoûtante engeance, et c'est terrible de savoir qu'elle est perpétuelle par la volonté de Dieu. Au point de vue moral et physique, le youtre moderne paraît être le confluent de toutes les idées du monde. 5. Me trouvant à Hambourg l'an passé, j'eus, à l'instar des voyageurs les plus ordinaires, la curiosité de voir le marché des Juifs. La surprenante abjection de cet emporium de détritus amphithéotiques est difficilement exprimable. Il me sembla que tout ce qui peut dégoûter de vivre était l'objet lucratif de ces mercantis impurs dont les hurlements obséquieux m'accrochaient, me cramponnaient, se collaient à moi, physiquement, m'infligeant comme le malaise fantastique d'une espèce de flagellation gélatineuse. Et toutes ces phases de lucre et de servitude avaient la même estampille redoutable qui veut dire si clairement le mépris, le rassasiment divin, l'irrévocable séparation d'avec les autres mortels, et qui les fait si profondément identiques en n'importe quel district du globe. Car c'est une loi singulière que ce peuple d'anathèmes n'ait pu assumer la réprobation collective dont il s'honore qu'au prix fabuleux du protagonisme éventuel de l'individu. La race rejetée n'a jamais pu produire aucune sorte de César. C'est pour cela que je me méfie de la tradition ingénieuse, mais peu connue, j'imagine, qui donne des Hébreux pour ancêtres au peuple romain et remplace les compagnons d'aînés par une colonie de benjamites, expliquant la louve des deux jumeaux fondateurs par l'inscrutable prédiction d'Israël mourant Benjamin lupus rapax man comedet proedam et vesperet dividet spolia. Benjamin loup rapace au matin, mangera la proie et au vêpres divisera les dépouilles. Les immondes fripiers de Hambourg étaient bien vraiment de cette homogène famille de ménèques avaricieux, en condition chez tous les malpropres démons de l'identité judaïque, telle qu'on la voit grouiller le long du Danube en Pologne, en Russie, en Allemagne, en Hollande, en France même, déjà, et dans toute l'Afrique septentrionale, où les Arabes quelquefois en font un odieux mastic bon à frotter les moutons galeux. Mais où Manosé, je l'avoue, dépassa toute conjecture et tout espoir, ce fut à l'apparition des trois vieillards.